Étant à la fois messager de Dieu et chef d'État, le prophète était en contact constant avec des gens de toutes conditions sociales. Il rencontrait aussi bien les riches chefs d'État ou de tribus que des femmes et orphelins pauvres et sans défense. Parmi ces personnes, il en était dont le niveau de culture et d'éducation était très bas. Elles ne connaissaient ni la courtoisie, ni les bonnes manières. Néanmoins, le prophète faisait toujours preuve de douceur lorsqu'il voulait leur faire prendre conscience de leur grossièreté. Il les instruisait avec beaucoup de patience et d'effort. Le prophète était au-dessus de tout reproche. Il était doux, aimable et compréhensif. Durant toute sa vie, il appliqua les règles de courtoisie et de politesse de la meilleure des manières. Aïcha décrivit la haute moralité du prophète en ces termes. Le caractère du prophète était le Coran.